Thank you.
Alexandre Normand, chez votre animateur pour ce premier match de la saison régulière 2023 des bulletins du Cégep de Victoriaville. Alors que les cavaliers du Collège Champlain-Saint-Lambert sont en ville ce soir. Un gros match qui vous attend entre les deux équipes. C'est le premier match de saison à domicile. D'ailleurs, nous sommes très heureux de vous accueillir en si grand nombre pour supporter nos bulletins. Notre équipe qui a amorcé la saison en force en vainquant les Voltigeurs du Cégep de Drummondville par la marque 28-3. Bravo les boys! Leur adversaire de ce soir a aussi gagné leur premier match par la marque de 14-9 face au Griffon du Cégep de l'Outaouais. Alors c'est donc un match qui va promettre ce soir. Il y a plusieurs choses à vous dire, mais tout d'abord, si vous avez besoin d'une petite consommation ce soir et que vous n'avez pas d'argent sur vous, malheureusement ce soir on ne passe pas dans les estrades avec le TPV. Donc si vous avez la possibilité d'aller au bar en bas, on a un TPV avec Phil, donc ce sera possible pour vous d'acheter votre bière en bas avec votre carte. La grande famille des bulletins, la micro-brasserie Lermite, d'ailleurs, s'associe à la fondation Cégep de Victoriaville et à sa campagne majeure de financement pour contribuer à leur manière, bien sûr, au projet d'agrandissement et de modernisation du futur centre sportif du Cégep. Maison des mondes depuis plus de 50 ans, il semblait tout naturel d'avancer d'ailleurs cette campagne avec un produit à leur couleur. Alors il est donc possible dès aujourd'hui de vous procurer une bière légère, faible en alcool, issue d'un brassage unique. La bière est vendue au coût de 4,50$ la canette ou 16$ pour 4 canettes. Si vous voulez vous faire des amis ce soir, c'est parfait. Et dans tous les cas, 50 sous par canette est relié à la fondation du Cégep de Victoriaville. C'est pour les 18 ans et plus. La mauve Vulcain est également disponible en canette aux bières et saveurs du terroir, au restaurant L'Ermite ainsi qu'au cactus Resto Bar. Une autre bonne façon d'ailleurs d'encourager vos mauves. Stéphane Rivard, qui évolue d'ailleurs avec les Vicasses, les Vulcains, le Valéor et de l'Université de Sherbrooke, qui est partie du personnel d'entraîneur des Mauves depuis 2014. Son coordonnateur offensif, Pierre-Luc Desfossés, coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des porteurs de ballon, Michael Gauthier, l'entraîneur de la ligne défensive, Jean-Philippe Bourassa et Louis-Simon Nadeau, l'entraîneur des secondaires, Dominique Gagnon, assisté de Christopher Gagnon, Nicolas Leblanc, l'entraîneur des corps-arrière, Antoine Marcoux, l'entraîneur des receveurs, Benjamin Lolette, assisté de Francisco Pérouassa, l'entraîneur des joueurs de ligne offensif Xavier Hull, assisté de Ryan Benelli, ainsi que Jérôme Bédard Guimet. Et finalement, l'entraîneur adjoint des lignes défensives, Cédric Mirand Hull. Le responsable de l'équipement, Enzo Garage, on le salue, ainsi que Richard Marcotte. Physiothérapeute, Alice Dumont et Audrey-Anne Côté. Dans l'équipe des soigneurs, très important les avoir dans l'équipe, Alicia Griffin, Florence Léveillé, Sarah Kim Turcotte et Laurence Marianne. Let's go, Thank you.
Thank you.
Alors, pénalité contre les Vulcains, c'est un premier essai et 15 verges à faire pour Monroe. Est-ce que ce sera Thank you.
Facebook ou Instagram. Les bulletins du Cégep de Victoriaville, suivez ça sur Facebook et Instagram. On va voir les plus récentes nouvelles, les résultats aussi des matchs extérieurs et plus encore. D'ailleurs, pendant la pause, tantôt, on vous invite à aller faire un tour du côté de la cantine, le Nashville, la cantine mobile Nashville avec hot dog, hamburger, poutine, porc effiloché et beaucoup plus. Allez visiter notre cantine mobile Nashville. Compléter, pénalité sur le jeu. Thank you.
passe complétée. Troisième essai maintenant, les Cavaliers. Thank you.
Course complétée par le corps arrière, le numéro 3, Alexandre Boire. Troisième essai, Bucquet. Et c'est la fin du premier quart. Après un quart, les Vulcains mènent 7 à 0 sur les Cavaliers. C'est loin d'être terminé, on a fait tout un match. On rappelle qu'il y a vente de billets moitié-moitié, 1 pour 2 $, 3 pour 5, 10 pour 10 $ et 30 billets pour 20 $. L'achat de 20 billets ou plus, vous avez la chance de participer au jeu de la mi-temps avec le mini-ballon de football et vous aurez la chance de gagner un prix présent sur un coton ouaté, entre autres, un nouveau logo Vulcain. Il y a 153 ballons au total en circulation et c'est premier arrivé, premier servi. Dans les années passées, il y avait un très beau montant gagné pour la moitié-moitié. Bon, plus de ça, ben, pour les têtes mettre la mèche sur le prix présence. On vous souhaite d'ailleurs bonne chance à la mi-temps, mais procurez-vous maintenant vos billets de moitié-moitié, question de pouvoir participer à la mi-temps. Merci à nos partenaires, Rivard Lettrage, BF Rustic et Desjardins. Bien sûr, partenaire suivant, Savoie, Cactus et Sauveur, Pharmacie Brunet,
pour Mutuelle Assurance, Pellerin-Paul-Vingagnon, la ville de Victoriaville, Coopsco-Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert et Physio Picto. Également à 4,50$. Et un goût de pomme et fraise pétillant sans alcool à 5$. Pour ceux qui vous laissent payer la traite, mais pouvoir conduire par la suite. Alors tout ça disponible au bar derrière les estrades ou dans les estrades avec les personnes identifiées pour vous vendre ces boissons. Thank you.
pour le joueur des Cavaliers. Au troisième essai pour les Cavaliers. Après 20 ans d'absence, ils joueront contre les Diablos de Trois-Rivières et le Collège de la Flèche dans un tournoi 5-5. Bon match! Passe incomplète. Deuxième essai, Lucas. Thank you.
Alors les Vulcains essaient de donner 2 points aux Cavaliers. Alors 9 minutes 39 à faire au deuxième quart. 8 pour les Vulcains et 2 maintenant pour les Cavaliers du Collège Champlain-Saint-Lambert. Merci à nos partenaires Subway, Cactus Restobar, Pharmacie Brunet, Mutuelle Assurance, Pèlerin Quadrin Gagnon, la ville de Victoriaville, Corpusco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Visio Victo, Rivard Lettrage, BF Recycle et Desjardins. Thank you.
complété par le corps arrière numéro 18 chez les Cavaliers. Il a bien sur le jeu. Il y a quatre compétitions des Vosges à la maison. Tout d'abord, le vendredi 15 septembre, les Vulcains rugby féminin recevront le cégep de Beauce-Appalaches à 19h30 au stade Yvon Carré. Une première production, s'il vous plaît, pour le numéro 96 chez les Vulcains, Marie-Laure Blanc. Le samedi 16 septembre, les Vulcains Flag Football féminin joueront à domicile au stade Yvon Carré à 9h contre les Voltigeurs de Drummondville, ainsi qu'à midi contre les Inuits de Granby. Et on poursuit ce calendrier tout de suite après le prochain jeu. Deuxième essai, les Cavaliers. Alors, le samedi 5 septembre, les Vulcains Football, eux, recevront le cégep de Lanaudière à 19h30 au stade Yvon Paré. Allons, à l'occasion du match Coppers. Les Vicars ainsi que les Vulcains seront nos invités spéciaux pour la rencontre. Et finalement, le dimanche 17 septembre, les Vulcains Hockey reçoivent le cégep de l'Allemand à 15h30 à l'Arena Jean Bilbao. Pour le premier match à domicile de la saison, alors on vous invite à être là pour encourager les Mauves tout le week-end. Il vous reste encore quelques minutes pour acheter vos billets moitié-moitié si vous voulez participer au jeu de la mi-temps. Alors on vous rappelle, 1 pour 2$, 3 billets pour 5$, 10 billets pour 10$ et 30 billets pour 20$. Et à l'achat de 20 billets ou plus, vous obtiendrez votre mini-ballon de football et vous pourrez participer bien sûr au jeu de la mi-temps. Alors le lancer dans la cible. Si vous rentrez le ballon dans la cible, vous aurez la chance de gagner le prix de présence sur le coton voté. Nouveau logo des Vulcains. 153 ballons seulement en circulation. Subway, Cactus, Restobar, la pharmacie Brunet, Promutuel Assurance, Pèlerin Paul-Gagnon, la ville de Victoriaville, Corpusco Victoriaville, le restaurant Sanctuaire, Physio Vito, Rivard Lettrage, BF Recycle et Desjardins.
Alors, avant d'aller demander, la bière de la nuit qui est en vente au bar et dans les estals au coût de 4,50 $ l'unité, la IPA, la blanche à ambrée, la petite nouvelle aussi, la Monde, une Pilsner, 3,5% d'alcool, spécial seulement sur la Monde, 4 pour 16 $. Depuis, nous avons Visi, 4 saveurs au coût de 4,50 $. Du Twisted Tea, également à 80 $, et un ou trois et 13. Pétillant, sans alcool, bien sûr, à 5 $ si vous êtes intéressé. Alors, en vente au bar derrière les estrades, et sinon dans les estrades, avec les personnes identifiées, pour vous vendre ces boissons. Une petite fringale pendant la pause. Allez casser la croûte à la cantine mobile de Nashville. Hot dog, hamburger, poutine. Bar effiloché, ça sent bon. Mais beaucoup plus. Allez faire un tour à la cantine mobile de Nashville. Premier essai et 10. Vulcan. Numéro 30, Samuel Lavallée. Deuxième essai, Vulcain. Pour participer au jeu de la mi-temps. Donc, c'est simple. Prendre le ballon, le tirer dans la cible qui bougera sur le terrain. Si vous réussissez à rentrer votre ballon dans la cible, vous aurez la chance de gagner le prix de présence sur le coton ouaté. Nouveau logo des Vulcains. Thank you.
C'est considéré un plaqué malheureusement. Thank you.
et 10. Thank you.
Passe incomplète. Deuxième essai, Hülken. Escobar, Pharmacie Brunet, Promutuelle Assurance, Pèlerin Poitrin Gagnon, la ville de Victoriaville, Coop Sco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Physio Vito, Rivard Lettrage, BF Recycle et Desjardins. Thank you.
Alors, si vous avez un mini ballon de football, on vous invite à vous placer. On va partir ça dans les prochaines minutes. Non, vous rappelez, c'est dans la cible, c'est pas sur la personne qui conduit le car. J'aime être ça clair maintenant. Alors installez-vous, on débute ça dans une quinzaine de secondes. Il n'y a qu'un seul passage en passant. Donc vous devez absolument tirer le ballon au moment où la cible passe. Caro, est-ce qu'on est prêt? On y va? C'est parti, mesdames et messieurs. On met en action la cible. L'objectif, vous lancez votre ballon à l'intérieur. Vous réussissez, vous pourrez la chance de gagner le prix de présence. Le fameux coton ouaté, plus que. Bonne chance à tout le monde. Et non. Et non. Oh, c'est pas loin. Et non, ça c'est pas bon. Oups. Le bouclier, c'est pas bon. Et presque. Ah non, manqué. Manqué. Ça, c'est pas bon. Allez, madame. Faites-vous pas prier. Oh, pas loin. Oh, c'est presque ça. Non. Non plus. Est-ce qu'on va en avoir un? Est-ce qu'on va en avoir un? Ah, non. Ah, oh, non plus. Non. Ça. Il reste des ballons. Il reste pas de ballon, mais on va demander à la cible de revenir au centre. Juste pour confirmer qu'on a une gagnante. Tiens, on va garder ça. Ben oui, il y en a rien qu'un. Mesdames et messieurs, on a une gagnante! On l'invite en bas pour la photo officielle. Le ballon 96. Numéro de Manolo Leblanc. Thank you.
Pharmacie Lumet, Bon Mutuel Assurance, Pèlerin Pavel Gagnon, la ville de Victoriaville, Coopsco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Physio Victo, Rivard Lettrage, PFEC, ainsi que Desjardins. Merci à tous ses partenaires. On va être là pour le premier match de la saison. Ce soir, dans l'assistance, plusieurs personnes du personnel du cégep de Victoriaville, ainsi que plusieurs élèves. Salutations à vous tous. Merci d'être là ce soir pour encourager les groupes. C'est le fun de vous savoir solidaires. Parlant de solidarité, mais surtout pour votre poche, les billets moitié-moitié sont toujours en vente. Un billet pour 2$, 3 pour 5$. 10 pour 10$, 30 pour 20$. Et bien entendu, ce sera votre dernière chance au troisième quart pour acheter vos billets, car le tirage se fait au quatrième quart. Demain, notre équipe de rugby féminin jouera son premier match de la saison contre Notre-Dame-de-Foy. C'est à 13h et c'est à Québec. Également demain, le flag football féminin fait son retour dans le circuit RSEQ après 20 ans d'absence. Elles joueront contre les Diablos de Trois-Rivières et le Collège La Flèche dans un tournoi Saint-Hyacinthe. On vous souhaite un excellent, en fait, d'excellents matchs chez vous.
Deuxième essai, Bricka. Thank you.
complété par les Cavaliers, sera deuxième essai. Avec perte de terrain sur le jeu. Thank you.
Alors après ce jeu, 9 minutes 7 à faire au troisième quart. 24 maintenant pour les Bulletins et 9 pour les Cavaliers. Alors regardons ensemble le calendrier des Bulletins pour les matchs locaux. Tout d'abord, samedi 16 septembre, les Bulletins vont recevoir le Cégep de la Naudière à 19h30. Par la suite, le prochain match local sera le 30 septembre à 19h30. Les Bulletins vont affronter les Électriques du Cégep de Shawinigan, un match présenté par Subway. Et le dernier match de saison sera samedi le 14 octobre. Et cette fois-ci, c'est un match en après-midi, 13h. Un match présenté par Meubles FB, alors que les Bulletins vont affronter les Voltigeurs du Cégep de Drummondville.
complété par le numéro 3 de carrière, Alexandre Bouin. Deuxième essai vito. Merci à nos partenaires, Rivard L'Étrange, BF Recycle et Desjardins. Pour se compléter chez les Vulcains. Et c'est bon, premier essai, Olympus Vulcain. Passe complétée, pénalité sur le jeu. La pénalité contre les Vulcains. Alors, premier essai et 20 verges à faire pour les Vulcains. Encore une fois chez les Vulcains, troisième essai. Sur le jeu.
La pénalité contre les Vikings. Thank you.
quais et 15 maintenant pour les cavaliers. Merci à nos partenaires, Rivard Lettrage, VF Le Cycle et Desjardins.
vos cavaliers. On vous invite à sortir vos billets de moitié-moitié, 456 $ sera gagné ce soir. On fait le tirage après le prochain jeu. On vous invite à la cabine de l'annonceur si vous avez le bon numéro. 456 $ dans vos poches. Le restaurant Saint-Hubert et Physio Victo. Bonne heure.
applaudissements, s'il vous plaît, pour le numéro 97 chez les Cavaliers. Et là, on reprendra avec le deuxième essai 8 verges à faire pour les Bulletins. Sur le jeu.
Une première applaudissement, s'il vous plaît, pour le joueur des Lutins. Alors, la semaine prochaine, les Bulgares recevront le cégep de Lanaudière à 19h30, ici même au stade Yvon Paré, à l'occasion du match Coppers.
Le 30 septembre à 19h30, les Bulletins vont affronter les Électriques du Cégep de Shawinigan, un match présenté par Subway. Et dernier match de saison, le samedi 14 octobre, un match en après-midi, 13h, un match présenté par l'OIRD, alors que les Bulletins vont affronter les Voltigeurs du Cégep de Drummondville pour cette rencontre. On aimerait d'ailleurs rassembler tous les anciens footballeurs qui ont déjà porté les couleurs des Bulletins lors de notre homecoming. Sur le jeu. Thank you.
pour compléter 3e essai du camp. Thank you.
Yes, c'est gagné. Thank you.
La dernière pause, 3 minutes à faire à ce match. Merci à nos partenaires Subway, Cactus, Restobar, la pharmacie Brunet, pour Mutuel Assurance, Pèlerin Pas de Vingagnon, la ville de Victoriaville, Corpuscourt Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Fusion Victo, Rivard Lettrage, BF Recycle ainsi que Desjardins. Merci d'encourager les mots. Thank you.
Et c'est son premier essai et 10 pour les cavaliers. Yeah.
Samedi le 16 septembre, les Vulcains recevront le cégep de Lanaudière à 19h30 au Stade Limon-Paris, ici même, à l'occasion du match Coppers. Les Vicas ainsi que les mini-Vulcains seront nos invités spéciaux pour cette rencontre. On vous attend en grand nombre. Thank you.
demander. Troisième essai vulcain. Quatrième essai vulcain. Thank you.
match n'est pas encore terminé, mesdames et messieurs. On vous demande de rester loin du terrain, s'il vous plaît. Retournez sécuritairement à la maison et à la semaine prochaine.